Le chirurgien esthétique, tu te souviens pas? Mais non. Pourquoi faire? Non, mais c'est pas grave. Ok. Bon, bah écoute. Ouais. Bah, je te rappelle. Tout à l'heure. Moi aussi, je t'embrasse. Ouais. Non, toi. Allez, toi. Allez, allez. Bisous. C'était Robert, mon fiancé. Le pauvre, le handicapé, il est corse. Oui, je suis amoureuse d'un moche. Comme quoi, je donne de l'espoir. Et puis nous, les femmes, en vieillissant, on devient de plus en plus difficile. Mais c'est vrai, alors qu'on est de moins en moins désirable. Et oui, c'est... Ah oui. Enfin, je parle pas pour moi. Moi, je pense qu'il vient. Il faut tout pour faire un monde. Eh oui, c'est sûr. Mais Robert, Robert, c'est... C'est une tête, voilà. Tous les ans à Noël, je lui offre un chapeau. Et puis, avant, quand j'étais plus jeune, avant de m'approcher d'un homme, j'avais tellement de critères à la con. Oh. Mais comme tout le monde, qu'est-ce que c'est vos critères? Oh ben alors, j'en avais surtout deux. Ah oui, bien sûr. La première... Je voulais que le gars que je rencontre, il soit vraiment en grande forme, mais une grande forme financière. Et la seconde, par contre, il avait celle, pas celle-là. C'est même pas la peine qu'il me regarde. Ça, je pouvais pas supporter. Il fallait vraiment que sa mère soit morte. Et puis bon. De toute façon, il a 72 ans, donc sa belle-mère, enfin ma belle-mère, pardon. Il est bien long, ce chirurgien. Et pour cause, c'est la première fois que vous venez voir un réparateur. Ah non, non. Ah non, c'est pas la première fois, non. J'en avais vu un, là. Oh, il y a un vrai radin. Ah oui, alors lui, c'était pas possible, non. Parce que, voyez-vous, mon souci, c'est que je voulais me faire la poitrine. Ouais, regardez. Ah ouais. Parce que je suis déjà jalouse. Non, c'est pas vrai, je plaisante. C'est parce que je suis quand même victime de l'attraction terrestre, donc... Vous savez ce qu'il me demandait? 4000 euros. Je lui ai demandé une petite faveur. Docteur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'opérer un sein en janvier et l'autre en juillet? Ben, il n'a pas voulu. En même temps, en cherchant bien, je n'ai jamais trouvé un soutien-gorge, bon essai et bon aidé. Il y a peut-être un petit marché à prendre, là. Donc, jamais réparé? Pas encore. Je voulais me refaire le ventre aussi. Mais pas pour l'instant. Je m'en sers. Parce que... Dès que je suis en caisse, il y a une grande file d'attente, je vais de suite chez les handicapés, je fais la femme enceinte, et ça marche. Je me tiens comme ça. Que vous vous négligez. Je suis comme vous. Je suis aussi victime de l'attraction terrestre. Puis après 50 ans, il y a tout qui tombe. Je vous rassure, même Robert, il a les couilles qui pendent. On vous a opéré de quoi, vous? Je viens pour la tête. Ça fait 10 ans que le médecin me suit et il fait des miracles. Ah bon? Pourquoi pas votre... Neuroplastie? Mais j'en ai déjà fait une il y a 2 ans. Non! Vous êtes sûr qu'on vous a rien oublié? J'ai le corps vocal aussi. Ah, excusez-moi. Oh, excusez-moi. Oh, j'y suis. Oh, ça vient. Maintenant, vous êtes... Enfin... Et puis, vous venez pour les... Madame Martin,
C'est à vous. Ah, bonjour, monsieur Claire. Mais c'est une blague. Vous n'êtes pas le docteur Louche? Ah non, moi, madame. Je suis le docteur Claire, psychiatre. Le docteur Louche, c'est juste un pont d'à côté. Oh, excusez-moi, je suis désolée, je vous avais pris pour un mec. Je suis vraiment... Vous auriez quand même pu me le dire, je me suis trompée. Ça fait quand même 6 mois que j'attends ce rendez-vous. Mais qu'est-ce qu'elle a, la traction terrestre? Elle veut sortir la Terre. Elle veut quoi, l'attraction terrestre? C'est une égoïste. Elle veut ramener tout à elle.